Alors, bonjour tout le monde. Welcome to the Canada Council for the Arts. I'd like to acknowledge our presence on Algonquin territory and pay tribute to the immense contribution that Indigenous peoples have made to our history, to our destiny, and to our current identity. I'm proud to welcome you here and thrilled, actually, to have with us some of the 2017 winners of the Governor's General's Performing Arts. Welcome. I'm also pleased to see some of my colleagues from the foundations, because I'm a member of the foundations on its board of directors. The Canada Council is one of the founders of the awards, and we're thrilled to be hosting for the first time ever the winner's announcement, especially this year because it's a year of many anniversaries, including the 25th anniversary of the foundation, the prize, and the 60th anniversary of the Canada Council. Chaque année, le prix du gouverneur général pour les arts du spectacle récompense les meilleurs artistes des arts du spectacle au Canada. Et le Conseil des arts subventionne fièrement les 5 prix de réalisation artistique d'une valeur de 25 000 $ chacun. In essence, these awards recognize emotion and excellence. Without these, the performing arts would not hold such a privileged place in the heart and lives of peoples in Canada and around the world. So without further ado, I'd like to introduce an artist I greatly admire, one who, despite her very busy schedule, was able to join us today. She is the first Inuit singer-songwriter to win a Juno Award, and just last year, a Governor General's Performing Arts Award. So ladies and gentlemen, join me in welcoming Susan Aglukkaq. Thank you. Thank you. Koyanami. Oh, Canada, nang minik nunavut, pikuyatit, nalatsiak pavut, angilivalia yutit, sangi yublutilu. Nangik pugun, O Canada, mianiri blutit. O Canada, nunat siak, nangik pugun, mianiri. Oh, Canada, salagi yau kunak. Merci, thank you so much. Lors du gala du prix du gouverneur général, Susan va chanter l'hymne national accompagné d'un petit band, soit l'orchestre du CNA. J'en profite pour vous inviter à être des nôtres au gala le 29 juin prochain à la salle Sadum du Centre national des arts. J'aimerais maintenant céder la parole à son Excellence le très honorable David Johnston, gouverneur général, qui va nous parler par la voix de la vidéo, car des engagements l'empêchaient d'être avec nous ici. Donc, on l'écoute. I'm pleased to present these prestigious awards to such deserving Canadian performers and champions of the arts. Établi il y a maintenant 25 ans par mon prédécesseur le très honorable Raymond John Natition et son épouse Gerda, ces prix ont pour devise Artes nos tenantes et inspirantes. Cela signifie les arts nous captivent et nous inspirent. On stage, all things are possible. And this sense of possibility stays with us
long after the curtain falls, thanks to the vision and determination of our leading performing artists, Canada and the world are more thoughtful, vibrant, and richer places. Ces prix reconnaissent l'excellence dans son témoin ici et partout dans le monde, les auditoires qui assistent à des spectacles de nos artistes. I am looking forward to meeting this year's laureates at the awards ceremony that will take place at Rideau Hall this summer in this Canada's 150th anniversary year. Bravo and encore to you all. Laissez-moi maintenant vous présenter nos deux maîtres de cérémonie. Maître est le très bon mot. Ils sont respectivement président et co-président de la Fondation du gouverneur général pour les arts du spectacle, Douglas Knight et Paul-André Fortier. Everyone okay? We're all ready? Thank you, Simon, for welcoming us into Canada Council's terrific new home. As Simon said, this is our first time here, and it's a privilege to be here, and thank you so much. And a very special thank you to Governor General's Performing Arts Award laureate, Susan Gluckart, for kicking off the Canada 150 edition of the awards. Et bonjour tout le monde, mon nom est Douglas Knight, président du conseil d'administration pour la Fondation des prix du gouverneur général pour les arts de spectacle. Ce matin, je suis avec Paul-André Fortier, co-président de notre fondation et lauréate en 2012. Bienvenue, Paul-André. Merci, Doug. Whether you are with us here in Ottawa or you are joining us via live stream, Paul-André and I welcome and thank you for joining us this morning. Not only is it Canada's 150th birthday, as Simon said, we are thrilled to be celebrating the 25th anniversary of the Governor General's Performing Arts Awards. 25 years ago, yikes, Peter Herndorf, Brian Robertson, and David Langer approached then Governor General Raina Tishon and his wife, Gerda. Welcome, Gerda. With their vision for the awards, the Governor General's Performing Arts Awards are the highest honor Canada bestows on its performing artists, and since their inception, we have proudly recognized more than 200 exceptional Canadians. Nous vous invitons à jouer un rôle essentiel, celui de proposer des candidatures. Les lauréats des prix du gouverneur général pour les arts du spectacle sont choisis parmi les artistes et bienfaiteurs des arts dont la candidature a été proposée par le public et les amateurs des arts de la scène. Tout ce dont vous avez besoin pour faire une nomination est sur notre site Web. À vous de saisir cette occasion de contribuer au choix des lauréats de la plus haute distinction dans le domaine des arts du spectacle au Canada. And we are delighted to invite all Canadians to play a vital role in the awards by nominating your favorite artists. Everything you need to make a nomination is on our website. You can Google it. So please take the opportunity to tell us who you love, who has moved you, and who you think Canada should honor. Now, it takes more than genius and talent to make it as an artist. It also takes courage and tenacity. Their strength, their vision, their storytelling informs our lives. We take their songs with us through the day, and we take their stories into our hearts. Our artists also serve as our leading ambassadors. The best known Canadians around the world, by far, are our artists. So we truly are an arts nation, and we are proud to celebrate our very best. Now, these awards would not be possible without our partners. The Department of Canadian Heritage, the Canada Council for the Arts, who are hosting us today, and the National Arts Centre, who produce our gala. On June 29th, our 25th anniversary gala will really christen the NAC's newly renovated space, which officially opens on Canada Day. We'd also like to thank the gala's National Committee, led by Honorary Chair Suzanne Rogers and co-chairs Kate Alexander-Daniels, who is right here, hi Kate, and Sala Bashir. This year, the Gala Awards show will be live streamed by our broadcast partners, CBC Radio-Canada, on cbc.ca and radiocanada.ca.
As part of their 2017 programming, I think we snuck in under the 2017 umbrella, but it's very cool. In addition, CBC Radio-Canada will air a one-hour special presentation of the gala on both CBC and ICI Radio-Canada Télé on June 30th. So that's, mark your calendars, June 30th, 9 p.m. EST. You'll want to see that special. And finally, the National Film Board of Canada. The National Film Board of Canada produces extraordinary short films on each of the laureates. Every year, they meet the challenge of distilling the essence of each laureate into these magical films. The results are stunning. The films will be premiered at this year's gala, posted on the NFB website. I think they're posted on our website as well. I encourage you to make sure you see these incredible films at the gala and online. And just before we get into the meat, I just wanted to take a second to acknowledge that Albert Miller is with us in the room today. In addition to being a laureate from 2006, Albert was our co-chair for many years, and just a few years ago. So Albert, merci. Thank you for coming. And Denise Donald is here, who's also on the board. But thank you all for being here. Nous désirons remercier Jackie King, directrice générale de Hill & Knowlton Strategies, et son équipe, pour leur généreux soutien à titre de partenaire en stratégie de communication et relations médias. Nous tenons à exprimer notre plus profonde reconnaissance à notre commanditaire présentateur, Burks. Il est intéressant de souligner, à l'occasion de notre 25e anniversaire, cette association avec une entreprise qui, depuis 1879, a été et est toujours si importante dans la vie des Canadiens. Nous sommes honorés de compter sur la présence aujourd'hui de Mme Heva Hartling, vice-présidente de la marque Burks et directrice du marketing et de l'entreprise. We are delighted to welcome some new sponsors, including the addition just yesterday of Canadian Tire. They join the impressive list of our dedicated supporters from across the country who believe in the importance of honoring the outstanding achievements of our laureates. Avant de vous annoncer le nom de nos lauréats, j'aimerais vous parler de notre programme de mentorat, un partenariat entre la Fondation et le Centre national des arts. Chaque année, un ancien lauréat du prix de la réalisation artistique, agissant à titre de mentor, est jumelé à un artiste prometteur. Rendu possible grâce à la Keg Spirit Foundation, le programme de mentorat est un investissement dans l'avenir de la création artistique au Canada. Cette année, le mentor, plutôt la mentor, est Karen Kane, directrice artistique du Ballet national du Canada, artiste, défenseur des arts et lauréate du prix de la réalisation artistique des prix du gouverneur général pour les arts du spectacle en 2002 et du prix du Centre national des arts en 1997. Son protégé est Robert Binet, chorégraphe associé au Ballet national du Canada. Félicitations à Karen Kane et à Robert Binet. Alors voici finalement le moment de vous dévoiler les lauréats 2017. Je vous demanderai de réserver vos applaudissements jusqu'à la danse du dernier lauréat. Please hold your applause until our final recipient has been announced. Let's see if they can do that. Thank you. The Raymond John Natician Award for Volunteerism in the Performing Arts recognizes outstanding service to the performing arts. The award comprises a medallion struck by the Royal Canadian Mint and a sculpture commissioned from a Canadian artist. This year, the award goes to William H. Levin. Entrepreneur and philanthropist Bill Levin has provided leadership, direction, and financial support to the performing arts for over three decades. Passionate music lover, he has a close association with the Winnipeg Symphony Orchestra, to which he and his wife Shirley have donated over $1 million through the WH and SC Levin Foundation. Other organizations, you'll get a theme here, other organizations he has supported include the Manitoba Opera, the Royal Winnipeg Ballet, the Manitoba Choral Association, the Winnipeg Chamber Music Association, and the St. Norbert Arts Center. Bill Levin. It is a great honor to receive the Raymond John Natician
award for volunteerism in the performing arts. Over the years, we've received much more from the arts than we've ever given in time or money. So we feel doubly indebted. Lifetime Artistic Achievement Laureates of the Governor General's Performing Arts Awards receive a prize of $25,000, generously provided by the Canada Council for the Arts, and a medallion struck by the Royal Canadian Mint. If you want to see that, Susan's wearing one. That looks fantastic. And now, here are the laureates for the 2017 Lifetime Artistic Achievement Awards. Notre premier lauréat du prix de la réalisation artistique est Jean Baudin. Qualifié de cinéaste de la littérature québécoise, le réalisateur et scénariste Jean Baudin a su, tout au long de sa carrière, ravir le public tant au cinéma qu'à la télévision. Dès ses premières années à l'Office national du film, puis avec ses longs métrages et séries télévisées historiques à succès, il a créé une œuvre qui se caractérise par son authenticité, sa simplicité et sa beauté visuelle, et qui a fortement contribué à la transmission de notre héritage culturel et à l'émergence d'un cinéma québécois et canadien distinctif. Les films qui sont faits avec beaucoup d'amour, avec ce qu'on ressent profondément, c'est ça la clé, nous dit Jean Baudin. Je reçois le prix du gouverneur général avec un immense plaisir, bien sûr, parce qu'il vient souligner mes 45 années de passion, de combat et de création dans l'univers cinématographique québécois et canadien. Mais au-delà de cette consécration, ce prix me touche plus particulièrement parce qu'il symbolise la reconnaissance accordée par mes pairs pour l'ensemble de mon œuvre. C'est comme s'il venait de donner un nouveau souffle à toutes ces femmes fortes que mes films ont mis en lumière. Merci. Our next laureate is Michael J. Fox, a respected and accomplished actor well known for his award-winning work on television. You'll remember Family Ties and Spin City, and in film, including the curiously contemporary Back to the Future trilogy. Other credits include dramas Light of Day, Casualties of War, and comedies The Hard Way, Doc Hollywood, Life with Mikey, The American President, The Frighteners, and the ever-memorable Mars Attacks. In recent years, Mr. Fox has been recognized for his deeply human and creative courage. Since his diagnosis with Parkinson's in 1991, he has been acclaimed for his bold portrayal of characters with physical challenges in Boston Legal, in The Good Wife, and in Rescue Me. He has also been an active advocate for Parkinson's research through the Michael J. Fox Foundation for Parkinson's Research. I just want to express how grateful I am to be award the Governor General's award for performing arts. It's quite unexpected and yeah, it's wonderful and really great. And I'm gonna bring my mother and I look forward to being there. And it's just hits keep coming. It's great. C'est difficile de pas applaudir. Notre troisième lauréate est Brigitte Henkens. Passionnée par la langue et la littérature, habitée par les questions touchant l'identité, la sexualité et le pouvoir, Brigitte Henkens est réputée pour ses productions originales et avant-gardistes et son approche du théâtre contemporain à la fois inspirée et poétique. En près de 40 ans de carrière, elle a mis en scène une soixantaine de productions et reçu de nombreux prix et distinctions. Metteur en scène acclamé, elle mène aussi une brillante carrière à titre de directrice de grandes institutions culturelles. Figure emblématique du théâtre, elle a apporté une contribution exceptionnelle à la culture canadienne. Quand j'ai reçu l'appel pour la première fois, en fait, je n'ai pas répondu parce que j'ignorais qu'on m'avait présenté comme candidate à ce prix prestigieux. Donc, ça a pris plusieurs jours avant que je réponde au téléphone et que finalement... J'ai failli tomber dans les pommes devant cette nouvelle, donc
Je suis très honorée qu'on ait présenté ma candidature et surtout très honorée qu'on l'ait acceptée. Donc, je vous remercie. C'est une grande fierté pour moi. And our fourth laureate is Martin Short. As an actor, Marty Short is known for his wit, his disarming charm, and his dead-on impressions. In a career spanning over 40 years, he has delighted audiences around the world and made laughter an important Canadian export. Mr. Short has starred in many films, including, guess what, Mars Attacks. With Michael J. Fox. Mr. Short is also a star of the stage, of Broadway, including his Tony Award-winning role in the revival of Little Me. But he is perhaps best known for his many comic turns on television. He's created indelible characters, notably on Second City, SCTV, and of course, Saturday Night Live. In addition to his plethora of guest roles, he has written, produced, and starred in three comedy specials. He currently co-hosts Maya and Marty with Maya Rudolph. Hi, this is Jimmy Kimmel, and I just want to congratulate Martin Short. It is very well deserved. You are a master of sketch comedy, film, theater, from SCTV to SNL to Three Amigos. So many movies, so many accomplishments. Inner Space. Yes. There's no one Father of the Bride more deserving of this award. Captain Ron, I forgot to mention. Thank you very much. All your characters. Ed Grimley, Franck. Yeah, Jiminy Glick. Yeah, so many characters. Marty. Really a lot of characters. I'm sorry I couldn't be there with you, but congratulations. You are the best, and I hope to see you soon. Thank you, Jimmy. And last but not least, our final laureate is Yves Sioui Durand. Écrivain, metteur en scène, cinéaste, comédien, et pionnier du théâtre autochtone contemporain, Yves Sioui Durand est le fondateur d'Ondinoc, première compagnie de théâtre amérindien francophone au Québec. En plus de 32 ans de carrière, il a proposé une lecture transculturelle de ce que sont les Amérindiens d'aujourd'hui à travers une floraison d'allégories mythologiques. Conjurer l'abcès collectif, déjouer l'aliénation qui étouffe tout imaginaire, proposer une éthique, voilà pour lui la fonction du théâtre amérindien. Sa créativité artistique modernise un corpus culturel immémorial de manière novatrice dans un langage respectueux des codes ancestraux et comme artiste, il plaide pour une reconstruction de la culture amérindienne par l'art. Au moment où j'ai reçu cet appel, c'était l'été. J'étais loin, très loin. J'étais très loin de réaliser toute l'importance de cette annonce. C'est important pour moi, à ce moment-ci de ma vie. Et aussi pour tous ceux qui m'ont suivi dans mes rêves. Et ceux qui me suivront. Je suis vraiment heureux et touché que l'on reconnaisse toute ma démarche artistique. C'est elle qui m'a guidé vers mes ancêtres et mes racines. Nawangoa, Teshkenongwe Rone, Ho. Et ici à Ottawa, nous avons Brigitte Henkens, Jean Baudin et Yves Sioui Durand. And I invite Robert to join us, please. Ladies and gentlemen, our 2017 recipients.
Now, our laureates will be available for media interview. Les médias sont bienvenus à faire d'entrevues avec nos lauréats. Et nous souhaitons tous vous voir au Centre national des arts à Ottawa le 29 juin prochain pour le gala des prix du gouverneur général pour les arts du spectacle afin de rendre hommage à nos lauréats 2017. Thank you to all of you who are here with us at the Canada Council for the Arts and to our guests across the country. Merci beaucoup. I invite you now to join us for reception to toast the launch of our 2017 celebrations. Merci tout.